Aujourd'hui, je m'en vais entraîner ma peau à la clinique Dermapur dans le Vieux-Montréal. Bonjour, Marie-Lyne. Hey, Marie-Soleil, ça va bien? Ça va bien. Toi aussi! Oui, merci d'être là! Merci de m'accueillir chez vous! Écoute, on commence cette belle série-là sur les belles naturelles et t'en fais partie, tu sais. C'est un compliment là, que tu me fais là. Bien, en fait, ça t'appartient vraiment, ce compliment-là. Les gens te suivent, t'es rayonnante, t'es une personne authentique. Et pour nous, la beauté, c'est ça. Ça commence de l'intérieur. Bien, c'est gentil. C'est un beau compliment. Écoute, mais au-delà de ton beau physique, c'est sûr qu'il y a des petits gestes que tu as dû poser au fil des années, des petits trucs que tu peux nous révéler. Oui. Donc, c'est quoi un peu, toi, ton parcours avec ta peau? Hey, ça date pas d'hier, parce que moi, j'ai commencé vraiment à m'occuper de ma peau à l'adolescence. Ça n'a pas nécessairement été facile. J'ai eu des petits problèmes d'acné. OK. Mais ma mère m'a bien guidée là-dedans, puis elle m'a amenée voir une bonne esthéticienne. Puis donc, à partir de là, j'ai vraiment pris grand soin de ma peau. Là, je fais pas semblant que... C'est ça demande de l'entretien, oui. C'est sûr. C'est pas gratuit, là. Non, non, c'est ça. J'ai une belle hérédité. J'ai une très bonne hérédité, il faut dire. Toutes les femmes autour de moi ont une très belle peau aussi, mais c'est un capital beauté, donc il faut prendre soin. T'sais. Oui. Donc, il y a des choses que je fais. C'est sûr que maintenant que je fais de la télé, tu sais, comme on est maquillé à la télé. Tous les plateaux, des fois plusieurs fois par jour. Exact. Alors, on devient très, très maquillé. Alors, c'est sûr que le démaquillage le soir, super important. Puis une chose qui a changé ma vie, c'est la brosse nettoyante. Oui. Qui démaquille vraiment en profondeur. J'ai vu vraiment une différence depuis quelques années que j'utilise la brosse nettoyante. Oui. Que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est sûr que je me couche jamais, évidemment, maquillée. Au quotidien, toujours un écran solaire maintenant. Ça, ça fait juste quelques années, par exemple. C'est important, ça. Oui, mais ça paraît, en fait, là, t'es pas quelqu'un qui a accumulé des taches, tout ça. Donc, l'écran solaire, premier anti-ride. Oui, c'est vrai. J'ai eu 40 ans cette année. Oh! Donc, c'est ça. Ça fait quelques années là, que je sais que été comme hiver, nuages, pas nuages, il faut mettre des crèmes solaires à tous les jours. Donc, j'ai intégré ça à ma routine. Deux, trois fois par semaine, moi, toujours un geste d'exfoliation suivi d'un masque. Fait que ça fait vraiment partie de ma routine. Très discipliné, là, on est chanceux. Bien, pas mal, oui. Puis à chaque changement de saison aussi, ça me prend un nettoyage plus en profondeur. Alors, c'est à peu près ça, ma routine. Mais comme tu dis, c'est un ensemble, hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je fais attention de bien manger. Mais je suis assez gourmande aussi. Donc, c'est un équilibre. Un petit jus vert puis un verre de vin le soir. Bingo. Ça prend les deux pour être heureux. C'est ça, la recette. Oui, puis le bonheur, c'est sûr que ça aide aussi. Hein, oui. Ça fait partie la du, rayonnement. Alors, c'est un peu ça, je dirais, ma routine. Puis essayer, bon, évidemment, quand on peut bien dormir puis faire de l'exercice. Oui. C'est un ensemble. Le bien-être, c'est ça. C'est ça. Et là, comme tu dis, tu nous as révélé que tu étais passé là, tout juste le 40 ans. Oui. Est-ce que tu commences à te questionner sur peut-être que tu as besoin parfois d'une petite technologie qui vient booster ton collagène ou un petit peeling, oui. Tout ça? Fait que je me renseigne là-dessus, à savoir les nouvelles technologies, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui s'en vient. C'est sûr que moi, je cherche vraiment des résultats naturels, oui. Puis des technologies pas trop invasives, mais des coups d'éclat, ça, on cherche tout ça. On en veut tout. Oui. Donc, on aimerait ça avoir un soin comme chez l'esthéticienne, mais boosté. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on t'offre. On t'offre une combinaison de deux soins, okay. Une exfoliation profonde avec une microdermabrasion au diamant et une infusion de sérum au collagène qui va venir hydrater ta peau. Oh. Donc, on exfolie et on hydrate. C'est un soin combo extraordinaire à faire. Ça prend une heure et demie. On va te dorloter parce que c'est un soin doux. C'est gentil. Et puis, tu vas partir puis tu vas sentir que ta peau, vraiment, tu vas la sentir même sensibilisée parce qu'on va avoir enlevé plein de petites peaux mortes. Elle va respirer mieux. Elle va boire plus aussi, ouais, j'imagine, tous les produits en plus. Ouais. Oui, donc à la fin, je te conseillerais qu'est-ce qui est bon pour toi, parfait. Selon ton type de peau, parce que ta technicienne va analyser ta peau également. Donc, c'est parti. T'es prête? Oui! On y va, venez vous en. Donc, on va commencer à faire ta microdermabrasion au diamant avec Anastasia, une experte. Oui, une experte. Je me sens entre bonnes mains parce que là, c'est une exfoliation en profondeur. Là. En profondeur. Donc, si Anastasia, toi, tu commences, on va voir là, tranquillement qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un embout de diamant, de petites particules très solides qui est glissé sur la peau. Et ça va soulever les petites peaux mortes et ça va être suctionné dans l'équipement. Donc, on le sait, on fait de la corne sur les pieds, les coudes, tout ça. Donc, on peut s'imaginer que dans nos visages aussi, on fait une couche cornée et la microdermabrasion, ça vient enlever une bonne épaisseur de cette couche cornée-là qui permet au produit de mieux pénétrer. Et tout de suite après ta microdermabrasion, on va appliquer un masque à l'argile blanc pour te détendre un petit 20 minutes ou un grand 20 minutes. Hein, c'est un luxe maintenant, oui, 20 minutes. Absolument. À la radio, c'est long, 20 minutes. Oui! Donc, un beau grand 20 minutes pour te reposer et ensuite, on va enchaîner avec une infusion de sérum. On
ce deuxième soin, l'infusion de sérum à l'oxygène? Comment tu ressens ça? C'est très agréable, c'est frais, c'est vraiment plaisant, c'est pas douloureux du tout, là. Donc ça, c'est le soin des stars. Hein? Madonna fait une infusion de sérum avant chaque spectacle. On la voit se déplacer avec son équipement. Donc, elle a les moyens de faire ça chaque jour. Hein? On aimerait bien tout ça. Oui, ça, mais, c'est sûr. Tu sais, de le faire une fois de temps en temps, comme ça, pour une soirée, un événement spécial, c'est vraiment le soin tout indiqué pour avoir un coup d'éclat immédiat. Mais c'est quoi la différence entre le sérum que je m'applique à la maison moi-même et ce que je vis présentement, là? C'est vraiment qu'on prend un sérum pour aller le faire pénétrer très en profondeur. Ce qui se passe entre l'équipement et ta peau, présentement, il y a une distance. C'est vraiment qu'on pulvérise de l'oxygène à 95% concentré et ça crée une petite bulle entre ta peau et l'équipement qui va vraiment pousser le sérum à rentrer en profondeur dans ta peau. Et ça, bien, ça va vraiment repulper là, de façon immédiate toute la superficie de ta peau, ton épiderme. L'épiderme, là, c'est comme une feuille de papier, ça peut brûler facilement au soleil, on le sait. L'épiderme, c'est épais comme une page de post-it. Seulement. Donc, nous, on le voit avec les lasers, là, on peut vraiment aller à différentes profondeurs, mais l'épiderme, c'est 100 microns, c'est une unité de mesure, et puis il faut la protéger parce qu'elle est rapidement asséchée et abîmée. Donc, avec un sérum comme ça, on va vraiment repulper l'épiderme puis vraiment donner une bonne protection hydratante. J'ai hâte de voir le résultat. Yes! Alors là, je te laisse continuer ton soin. Merci. Attention de ne pas t'endormir parce que c'est vraiment confortable. Ça se peut que ça arrive, ça. C'est ça. Et puis, je te vois tout de suite après. Parfait, à tantôt. À tantôt. Alors là, tu sors de ton soin. Comment tu te sens? Je me sens comme une neuve. Ou presque. Super. Donc là, on embarque comme ça, garantie prolongée. Il faut faire des soins à la maison et maintenir. Oui. Donc nous, en fait, on t'offre un protocole exfoliant. C'est un sac de 3 produits qui va après ce soin-là d'exfoliation. Dedans, 2 crèmes de nuit, donc une 5% à l'acide glycolique qui va exfolier en profondeur. Une crème relipidante qui va refaire ta barrière lipidique de la peau pour être sûr qu'il y a un bel équilibre. Et un masque exfoliant également que tu peux faire une fois par semaine. Super! Donc ça, c'est ton sac de base après une micro ou un peeling et tout ça. Et moi, j'aimerais t'offrir d'autres produits chouchous qu'on met à l'intérieur. Donc, un vitamine C, un sérum à mettre le matin. Oui. Vitamine C, 20 % tout de suite, tu vas avoir un éclat le jour même. Et ça te protège des radicaux libres. Donc ça, c'est une vitamine qui est très connue dans la science des cosmétiques. Vraiment, ça protège la peau. Tu nous parlais d'FPS. Alors, on a un FPS minéral super intéressant. Minéral, c'est des roches devant le soleil. Donc, c'est pas chimique comme un écran chimique. Et ça permet vraiment de bien protéger la peau. Il y a une petite odeur de pamplemousse. Oh, j'adore ça! On aime ça parce qu'on sait que tu le mets au quotidien. Oui. Et un masque détox à l'argile blanc qui vient resserrer ta peau. Donc, c'est vraiment un effet tonus. Je pourrais le faire une fois par semaine. Une fois par semaine aussi. Tu pourrais faire chaque masque une fois par semaine, les alterner. Je vais faire ça. Les journées de ton choix ou en combinaison si tu files vraiment pour faire la totale un dimanche après-midi. Et bien voilà, en fait, ça complète vraiment ton soin. Et puis, on a également aussi... Ben oui, les collagènes, puis ça, j'ai plein de questions là-dessus, là, sur les suppléments qu'on peut prendre. Oui, ben on a des suppléments. La beauté, ça commence à l'intérieur, ben comme on l'a dit. Donc, on peut venir vraiment complémenter notre nutrition pour travailler aussi sur la santé de la peau.